Donc le maréchal s'était séparé le 13 décembre 1940 de Laval. J'en ai dit un mot la dernière fois, il est certain que c'est des raisons de politique intérieure qui le déterminaient, parce que Laval ne voulait pas s'occuper de cette révolution nationale qui l'intéressait en aucune façon, et en outre, il était hostile à la persécution des Juifs. J'aurais dû ajouter qu'on avait prétendu que, enfin Pétain aurait plus tard prétendu, qu'il se méfiait de Laval, qui aurait voulu le kidnapper, pour ainsi dire, à Paris, le faisant venir à l'occasion de ce retour des cendres de l'aiglon, enfin du suivi de Napoléon, que Hitler avait inventé de rendre à la France. Ça ne tient pas debout, étant donné qu'il désirait lui-même, le maréchal, depuis longtemps, venir s'établir, sinon à Paris, du moins à Versailles, et que c'est les Allemands qui avaient toujours refusé. Alors à qui va-t-il s'adresser? À Flandin. Flandin, ça ne dit plus rien aujourd'hui à l'opinion publique, mais il faut savoir que ce député Flandin s'était mis au premier plan de l'actualité au moment de Munich, lorsqu'il avait adressé un télégramme de félicitations à Hitler. Ça avait beaucoup plu au maréchal, il estimait que c'était un homme estimable, il le prend donc au pouvoir. Dès le 6 décembre, alors que c'est le 13 qu'il a renvoyé Laval, dès le 6 décembre, il s'était mis en contact avec Flandin. Ça n'a pas duré du tout. Flandin prend le pouvoir le 13 décembre, enfin le 14 décembre, et dès le 10 février 41, il est écarté. Lorsqu'il s'agira de rendre compte, c'est-à-dire au moment de la libération, Flandin expliquera « Je n'ai pas pu continuer parce que je me refusais à faire la politique de rapprochement avec l'Allemagne que Laval et que Pétain avaient inaugurée ». C'est complètement faux, c'est établi maintenant d'une manière définitive, en particulier par ce livre remarquable, je le répète, de Raymond Tourneau. La vérité est la suivante, Flandin a fait tout ce qu'il a pu pour ses contacts avec les Allemands, et il n'a jamais eu le contact. Les Allemands se méfiaient de lui, le considéraient comme pas sérieux. Au point que le général Hunziker, ça vous dit rien, mais Hunziker, c'était le ministre de la guerre qui avait remplacé Véguin. Véguin qu'on avait envoyé, comme vous vous rappelez, en Afrique du Nord. Hunziker va faire une démarche auprès de Pétain pour demander le rappel de Laval, parce qu'il n'y avait pas de contact avec les Allemands. Donc il va échouer, pratiquement ça ne va pas, et très rapidement le maréchal pense à quelqu'un d'autre, qui donc l'amiral Darlan. Pourquoi l'amiral Darlan? Eh bien on sait aujourd'hui, il n'y a pas tellement longtemps qu'on le sait, que le 3 mai 1940, lorsque Pétain était venu à Paris sur la demande de Brénaud pour savoir s'il entrait ou s'il entrait au gouvernement, il avait fait un certain nombre de visites privées, clandestines, et en particulier une visite à Darlan. Et il avait dit à Darlan carrément, vous savez, il faudra changer tout à fait le personnel politique, et je vous vois très bien dans un rôle de premier consul. Notez que c'est Darlan qu'il va envoyer à sa place le 15 décembre 40 à Paris pour le remplacer dans l'affaire de l'Aiglon. Et, je vous l'avais dit déjà, le 25 décembre 1940, le 25 décembre 40, le jour de Noël, Darlan, par ordre de Pétain, va se rendre à Beauvais pour rencontrer Hitler, c'est sa première rencontre avec Hitler, pour lui dire, monsieur le chancelier, il n'a rien changé dans notre politique de collaboration. Donc le voilà au pouvoir, Darlan. Et il a un pouvoir considérable, puisqu'il a quatre portefeuilles. Il a le portefeuille de la marine, il a le portefeuille des affaires étrangères, il a le portefeuille de l'intérieur, hein, et il a aussi le portefeuille de l'information. C'est un homme très habile, évidemment très ambitieux, et je vais vous indiquer tout de suite un de ces documents si intéressants que M. Tourneau a révélé, puisque c'est lui qui, la première fois, a eu communication des archives diplomatiques suisses. Et c'est précisément dans une dépêche de Stucki, qui était le ministre suisse à Vichy, que l'on voit ceci à la date du 4 février. Le 4 février, il n'est pas encore au pouvoir. Hein, où Stucki écrit « Pétain est prêt à des concessions à l'Allemagne, allant même beaucoup plus loin que celles qu'il avait consenties avec Laval. » Quelles concessions? Eh bien, c'est très intéressant, en effet. D'abord, les Allemands insistent tout de suite pour que l'Afrika Korps ayant débarqué, vous savez ce que c'est, hein, c'était le corps expéditionnaire allemand et italien qui était dans l'Afrique du Nord pour s'opposer aux Anglais. L'Afrika Korps a déjà quelques difficultés, les Anglais résistent bien, alors les Allemands demandent que les forces françaises de Tunisie l'appuient logistiquement. Logistiquement, ça veut dire avec des fournitures, en particulier de camions et de matériel. Le général Doyen, ça vous dit rien au plus, général Doyen qui dirigeait la commission de Wiesbaden. Vous savez, la commission de Wiesbaden, c'est une commission permanente pour régler à Wiesbaden les propositions de l'armistice, les déclarations de l'armistice. Le général Doyen dit, il n'y a pas question. L'armistice a décidé que l'Afrique du Nord était en dehors de l'armistice, par conséquent, nous n'avons rien à faire des demandes allemandes de la Tunisie. Or, Darlan voudrait dire oui. Et c'est le maréchal Pétain qui va intervenir, et à la date du 25 mars 1941, le maréchal Pétain va donner un ordre aux forces françaises de Tunisie de répondre aux demandes allemandes et de fournir tous les camions qu'ils voudront. Un. Deux, voilà qu'en Irak, Rachid Ali fait une tentative de sécession. L'Irak, c'est Mossoul, hein, c'est les pétroles, c'est très intéressant, et les Anglais sont là depuis un certain temps.
Les Allemands trouvent que c'est très intéressant de soutenir Rachid Ali, mais ils ont besoin de soutien aussi logistique pour faire passer des avions jusqu'en Irak. Et ils demandent la disposition de Alep, de l'aérodrome d'Alep. Alep, c'est en Syrie. La Syrie, à ce moment-là, est sous mandat français. Demande inadmissible après l'armistice. Eh bien, Darlan va se rendre à Berchtesgaden, c'est la seconde fois qu'il va rencontrer Hitler. Le 11 mai, il est là et il s'accorde avec Hitler pour dire c'est d'accord. Entendu. L'aérodrome d'Alep est à votre disposition. Il y avait là-bas en Syrie un Français, un général français qui s'appelait Dens. Et Dens est extrêmement hostile. Lui aussi, quoi, c'est un pétiniste, mais enfin, c'est quelqu'un qui se tient aux démarches de l'armistice et qui dit mais c'est pas possible. Alors voilà, personnellement, le maréchal Pétain va intervenir à la date du 15 mai, envoyant une lettre personnelle à Dens où il y a ceci. Je tiens à insister personnellement auprès de vous sur la haute portée des négociations que conduit actuellement l'amiral et sur la volonté que j'ai personnellement de poursuivre sans arrière-pensée cette politique de collaboration. C'est clair. Alors je trouve un peu raide, si je puis dire, que l'amiral Auffan, dans son histoire élémentaire de Vichy, ose écrire ceci. Jamais le maréchal n'autorisa la moindre infiltration allemande dans l'Empire, étant donné que vous envoyez une première infiltration en Tunisie et une seconde infiltration, beaucoup plus grande encore, beaucoup plus grave, en Syrie. Vous savez que ça va mal tourner, Rachid Ali va être rapidement écrasé par les forces anglaises, et puis le problème va être pour les Allemands plus du tout un problème de Proche-Orient, mais un problème russe, puisque nous arrivons au 22 juin 1941, et le 22 juin 1941, brusquement, Hitler se jette sur la Russie. Alors comprenez-moi bien, c'est une grande joie pour le maréchal. C'est la guerre sérieuse. C'est la guerre qu'il aurait désirée en 1940. Maintenant, les Allemands vont s'en charger. Alors on va voir autour de lui, et le maréchal lui-même va intervenir, autour du maréchal les propos les plus enthousiastes. Exemple, Monseigneur Baudrillard, qui dirait l'Institut catholique de Paris. Monseigneur Baudrillard, qui écrit ceci. Jusqu'ici, la forteresse soviétique demeurait inviolée, toujours en mesure d'envoyer partout ses agents d'épizootie. Voici qu'un grand appel d'air s'élève. Le monde civilisé se dresse dans un élan formidable pour défendre et sauver notre antique civilisation chrétienne. Voici l'heure d'une nouvelle croisade. Ben, vous n'ignorez pas que le maréchal va bénir la constitution d'une force française militaire, soutien d'Hitler contre la Russie. Ça s'appellera LVF, Légion des volontaires français. Et s'adressant au colonel de Labonne, qui dirige cette LVF, le maréchal va déclarer ce qui suit. Vous détenez une part de notre honneur militaire. En participant à la croisade dont l'Allemagne a pris la tête, acquérant ainsi de juste titre à la reconnaissance du monde, vous contribuerez à écarter de nous le péril bolchevique. L'amiral Darlan et moi-même, nous vous souhaitons bonne chance. Alors vous comprenez bien qu'il ne s'agit en aucune manière de du moindre double jeu. Le maréchal est ravi de ce qui se passe et il va faire tout ce qu'il peut pour continuer dans la ligne de la collaboration. En particulier, on va le voir, qui pour l'anniversaire de Montois, 24 octobre 1940, va envoyer une lettre personnelle à Hitler que je tiens également à vous lire. Elle est du 20 octobre 1941. L'anniversaire de l'entrevue de Montois est une date dont je tiens, en dehors du protocole, à marquer le sens et la portée. Il y eut dans votre geste de l'an dernier trop de grandeur, si, trop de grandeur, pour que je ne sente pas le devoir de souligner en termes personnels l'importance historique de notre conversation. La victoire de vos armées sur le bolchevisme offre encore plus qu'il y a un an à notre collaboration un motif de s'affirmer. Alors cette lettre de Pétain à Hitler pour Montoire est tout de suite après éviction de Weygand. J'avais déjà raconté une première fois qu'en septembre 1940, le maréchal avait écarté Weygand parce que Weygand le poussait à une protestation énergique contre l'annexion de la Lorraine et s'y était refusé. Il l'avait envoyé en Afrique du Nord pour voir ce qui s'y passait. Non, pas du tout, absolument pas. Pour y préparer une révolution, une insurrection et une reprise de la guerre, absolument pas. Mais enfin, Weygand était quelqu'un que les Allemands surveillaient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Darlan lui-même ne supportait pas l'action de Weygand. En particulier, dans cette politique de collaboration très précise, dont vous allez voir quelques preuves, Darlan avait accepté qu'une commission de contrôle allemande s'établisse à Casablanca. Vous vous rendez compte? En fait, l'infiltration, c'était assez réussi. Hein, voilà des Allemands à Casablanca. Et alors, Weygand leur avait mené la vie dure. En particulier, Weygand avait fait procéder à l'arrestation de tous les Marocains qui s'étaient mis en contact avec ces Allemands. Ça avait exaspéré Darlan, et le 8 novembre 1941, Darlan envoie un long texte, enfin il y a 12 pages que j'ai lu, 12 pages de Darlan au maréchal pour lui demander de supprimer cet insupportable Weygand. J'ajoute que les Allemands aussi considéraient Weygand comme un personnage redoutable et désiraient son remplacement.
Alors le 20 novembre 1941, 20 novembre 1941, Weygand est cassé au gage. Il est rappelé en France, il est assigné à résidence dans sa villa, soyez tranquille, enfin dans une villa de la Côte d'Azur, mais enfin il ne doit plus retourner en Afrique du Nord. Et de même que l'année précédente, Pétain voulait absolument avoir une rencontre personnelle avec Hitler, cette fois il veut une rencontre personnelle avec Göring. Göring, il le connaît, il l'a rencontré en particulier en octobre 1934, lorsqu'il y a eu les funérailles solennelles à Belgrade d'Alexandre Ier de Yougoslavie qui avait été assassiné, vous vous rappelez peut-être, en France, qui était le 9 octobre 1934. Göring représentait l'Allemagne et Pétain représentait la France. Et tout le monde avait observé les longs entretiens qui s'étaient déroulés entre Pétain et Göring. Comme il le dira plus tard, je voulais m'entretenir avec lui entre soldats. Et il y aura un récit assez intéressant fait par Brinon. Brinon, c'était l'ambassadeur de France à Paris, vous vous rendez compte ce que c'était, hein. Nous avions un ambassadeur de France à Paris, Brinon avait représenté le comité France-Allemagne, c'est un homme acquis depuis très longtemps à la collaboration, et dans cet entretien qui va avoir lieu le 1er décembre 1941 à Saint-Florentin, entre le maréchal et Göring, Brinon était là. Et racontera plus tard ceci. Dès que le maréchal s'est trouvé en présence de Göring, Göring lui a dit, ah, sommes de vieux amis, hein, je me rappelle qu'au funérailles d'Alexandre Ier, vous m'avez désigné du doigt le ministre de Grèce en me disant, celui-là c'est un juif. Par conséquent, cher maréchal, nous sommes faits pour nous entendre. Oui, faits pour nous entendre, mais ce que va demander le maréchal, la même chose que ce qu'il avait demandé à Hitler. Retour massif des prisonniers, assouplissement de la ligne d'émarcation, zéro. Voilà une deuxième démarche qui n'aboutit à rien et nous sommes le 1er décembre 1941. Or, vous savez déjà que le 7 décembre 1941, quelque chose d'énorme va se produire, au moins aussi important que l'entrée de la Russie dans la guerre, c'est l'entrée des États-Unis dans la guerre. C'est Pearl Harbor et immédiatement c'est la rupture, c'est les États-Unis dans le coup. Alors si l'on s'en tient aux affirmations que le maréchal Pétain attendait l'entrée des États-Unis, on pourrait s'imaginer que sa politique va être complètement retournée du fait que cette fois, semble-t-il, l'Allemagne perdra la guerre. Plus tard, on n'en sait rien. Pour l'instant, elle ne va pas perdre la guerre et le maréchal Pétain ne change absolument pas de politique. Puisque si l'entrée des Américains est du 7 décembre, le 10 décembre, le maréchal va envoyer Darlan auprès de Ciano. L'entretien a lieu à Turin. Et j'ai lu le journal de Ciano à cet égard. Ciano dit, c'est extraordinaire de voir devant moi cet amiral Darlan, dont je ne me doutais pas de la haine qu'il portait à l'Angleterre. La victoire de l'Axe, virgule, il l'appelait de tous ses voeux. Et il avait même dit ceci à Ciano, si jamais l'Angleterre gagnait la guerre, la France reviendrait par elle au rang de dominion de deuxième zone, tout au plus une sorte d'Irlande. Ça, c'était le 10 décembre. Mais le 21 décembre, il va se produire dans les rapports franco-allemands quelque chose que l'on a dissimulé le plus possible, et peut-être que je vais vous surprendre en vous l'apprenant. À savoir que Juin, vous savez Juin, le fameux maréchal Juin, qui avait remplacé Weygand en Afrique du Nord, va se rendre tranquillement, elle sourit aux lèvres, à Berlin. Juin va se rendre à Berlin pour s'entendre avec les Allemands sur les moyens qu'on peut apporter, que la France peut apporter à soutenir le fameux Afrika Korps de Rommel. Les Anglais sont en train de remporter du succès. Il avait commencé Rommel par les refouler, puis maintenant c'est lui qui a refoulé. Alors il s'agit de s'entendre sur ce que l'on peut faire en Tunisie pour porter secours aux Allemands. Et Juin accorde aux Allemands un certain nombre de bénéfices. Il faut encore savoir que Stucki, dont la correspondance est vraiment intéressante, le 8 janvier, c'est bien ça, le 8 janvier 42, c'est-à-dire moins d'un mois après l'entrée des États-Unis dans la guerre, va être en mesure d'envoyer à son gouvernement, le gouvernement de Berne, les lignes suivantes. Pétain vient de me dire, ce jour, 8 janvier, je dois admettre franchement que par son combat contre la Russie, Hitler a préservé l'Europe d'un horrible danger. Je suis prêt à travailler sincèrement.